Vous savez pourquoi on parle de grippe mexicaine? Tout simplement parce que c'est dans ce pays que les premiers malades ont été contaminés. Logique, mais pourtant pas si évident. Prenez la grippe espagnole par exemple. Vous savez, cette épidémie qui entre 1918 et 1919 a fait plus de 50 millions de morts. En pleine Première Guerre mondiale, 50 millions de morts, c'est 3 fois plus que la guerre elle-même. D'ailleurs, c'est l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire, avec la peste du XIVe siècle. Eh bien, figurez-vous que cette grippe espagnole n'avait rien d'espagnol. Ce sont les soldats américains, venus aider les alliés en Europe, qui ont apporté le virus avec eux. Mais même pas en Espagne, mais en France, à Bordeaux. C'est de là que le virus s'est répandu sur tout le continent, en faisant des millions de morts sur son passage. Pourquoi l'appeler espagnole et pas américaine ou bordelaise? Eh bien, il faut savoir que cette grippe tue des hommes jeunes et en pleine santé. Jusqu'à 400 par jour rien qu'en France. Rappelons-nous que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Vous imaginez les dégâts parmi les soldats sur le front? Il est décimé. Et ça, il n'est pas question que l'ennemi la prenne. La censure est donc de mise. Personne ne communique sur l'épidémie. Sauf l'Espagne, qui n'est pas engagée dans le conflit et qui n'a donc rien à cacher. Tout le monde fait alors comme si la grippe ne sévissait qu'en Espagne, alors qu'en réalité, la planète entière est touchée. Maintenant, vous savez.